petite séquence bien sympathique. J'espère que vous avez bien aimé. Je vous ai montré quelques petits endroits de la ville. C'était un petit peu vite fait. Mais là, on est le troisième jour. On a changé, on est le lendemain du coup de ce que vous avez vu. Après cette petite promenade, du coup, on a été au restaurant. Et là, du coup, on est en famille aujourd'hui, parce qu'il y a de la famille qui est aussi au Portugal. Et du coup, on s'est tous réunis aujourd'hui. Donc, bah, je vous ai pas blogué ça. Sauf que là, on va partir visiter, enfin, on va faire un petit peu les boutiques dans un centre commercial. Donc, on va prendre le métro et tout. Donc, je vais vous filmer tout ça. On va prendre le métro, on va aller dans un centre commercial à 20 minutes d'ici. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le centre commercial, ce qu'il y a acheté au Portugal. Bon, je vais vous montrer des images un petit peu d'une autre ville, comme ça au moins ça sera cool. Et puis du coup, je vous emmène avec moi. De prendre le métro, c'est la grosse galère en fait hein. Parce que en fait ça il y a le train, on s'est fait avoir parce qu'il s'arrête pas à chaque arrêt. Du coup on voulait s'arrêter à un endroit et il était 10 fois trop loin, donc du coup on doit prendre le train inverse, en gros le métro inverse. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. J'essaie de vous capter des petites images sympathiques et puis voilà, on continue. On s'est tapé des bonnes barres dans le métro, c'était marrant. Pour le quatrième jour au Portugal. Et donc du coup là on est un peu, bon, en fait il est 13h, hein, vous voyez, on est vraiment genre, on se lève super tard et tout, du coup c'est un peu la galère quoi. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller tout simplement à la plage. Donc j'ai envie de vous filmer ça parce que la plage elle est très très jolie. Je vous emmène avec moi à la plage parce que franchement le paysage est super super beau. Donc je vais essayer de faire des photos, vidéos là-bas. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Genre là t'as une bête de maison, et là juste en face une maison défoncée. Ça c'est un truc de ouf au Portugal, il y a beaucoup ça. Là tu seras tranquille. J'espère que les images en tout cas vous ont plu, parce que franchement c'était magnifique de ouf, enfin, c'est vraiment super super beau. Et du coup là je me suis changé et tout, on a mangé, bref. Et là on va aller se promener tranquillou, je vais vous capter des images encore, je vais vous prendre quelques images et tout, et puis comme ça vous fera plaisir. Puis on va voir des lieux un petit peu stylés, on va voir ce qu'il y a dans la ville.
parce qu'on n'a exploré qu'une seule partie de la ville entre guillemets, donc il reste l'autre partie qu'on n'a pas trop vue, donc là on décide d'aller en promenade pour aller voir tout ça, donc c'est parti. Bounce as you want. We all.